Et pour la suite de l'épisode de Stellaris, ça y est, on est entré en guerre. Dire un peu avec la voix de Silverbarb quand il dit les Zent vont entrer en guerre. Donc ça y est, nous c'est bon, c'est fait, c'est validé. Là on attaque la première flotte, enfin pas la première flotte, mais les premières villes, enfin les premières, non c'est pas les premières villes, c'est plutôt les premières stations. Tout d'abord, commençons par les stations minières, évidemment, tout en surveillant. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout? Donc lui, son but, hein, c'est normalement de détruire aussi les stations, pour que comme ça, il puisse... Donc il se barre, d'accord, qu'est-ce qu'il fout? Oh, oh, oh. Attendez, c'est qui ça? Oh putain, c'est les gars qui sont à 3K. Barrez-vous! Barrez-vous, ils sont à 3K! Rentrez chez vous, ils sont à 3K! C'est trop! C'est trop, ils sont à 3K! Non! On va se faire défoncer, on va se faire défoncer, ils sont à 3K! Ils sont à 22, 43, on est à 10, 24. C'est beaucoup trop! Barrez-vous! Après avoir réussi à traduire leur langue, nous avons établi des communications avec les Republic of Pagol. Les canaux diplomatiques sont maintenant ouverts et toutes les hostilités ont cessé. Excellent, c'est cool. 2K contre 3K, mais non, je te défonce. Non ! Non ! Espérons une amitié aussi longue que fructueuse avec votre peuple. Nos citoyens vous saluent. Salut ! Non, non, casse-toi ! Ok, il se barre aussi. Non, il fait demi-tour aussi. J'essaie de le bait en mode... Non, en fait, je me barre pas. Non, par contre, du coup, quand on fait un bait, il faut que lui, là, il fasse du dégât. Mais il va où, lui? Mais enfin, où est-ce qu'il va? Il rentre chez lui aussi? Ben non, n'importe quoi, c'est pas vrai. Oh, putain. Oh, oh. Non, mais non, stealth fleet, pas engage. Non, mais non, engage pas les... J'ai dit rentre chez toi, j'ai pas dit engage l'ennemi. Battre en retraite. 8 jours. Mais putain. Mais putain, j'ai dit de se barrer. Et alors, il y a une puissance militaire de 934 qui se balade quelque part, mais là, il y a une armada à 3800. Ah oui, ils ont 3800 et on est à 2200. Ah ouais, non, mais il n'y a pas moyen, quoi. Ah, c'est cool, on va pas pouvoir battre en retraite. Regardez, on va se faire def. RIP ma flotte. Ah oui, là. 4 jours. 3 jours. 2 jours. Oh, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà. Battre en retraite et on va quand même faire un petit peu de dégâts. Bim. Bim. Bim, bim, bim. Voilà, on n'a même pas défoncé une seule corvette. Ils ont perdu que 0,8%. Lol. Par contre, nous, on a perdu 75, enfin, on a perdu 15%, quoi. D'accord. Ok. Bon, c'est la merde, hein. Bonsoir, Psycode. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors, là, ils sont trop forts pour nous. D'accord. Bon. Alors, comment on va faire? Non, parce que... Non, parce qu'en fait, on est à 49 sur 49, là. En même temps, si tu fais des améliorations aussi négatives... Mais c'est pas ma faute! Bon, en même temps, on était à 2400. On n'était pas non plus... Bon, là... Qu'est-ce qu'il y a? Force hostile présente. Ah bah oui. Ah bah oui, ils nous ont suivis. Attendez... Par contre, on va aller là. On va essayer de les bait un peu. Oh là là, on va rien bait du tout. On va se faire massacrer en fait. Oh, et le jeu a tellement de mal. Le jeu a tellement de mal. Il rame tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de flotte. Oh là là, parce qu'il y a trop de flotte, ça rame à mort quoi. Il n'y arrive pas. Ah, on arrive à les bait un peu. Hein. Là, on arrive quand même à les bait un petit peu. Salut! Luc 990 XL.
Bonsoir à toi. Alors, le pote, je sais pas où tu es. Je sais pas où est ta flotte, elle est là. Elle est là. Hein. Ça, c'est ta flotte, non? Ta flotte à 3K? Ouais, c'est ta flotte à 3K. Alors, je te signale qu'il y a une flotte à 3K qui est chez toi. Donc, ramène-toi. C'est là que tu dois amener la deuxième flotte, non? Ouais, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est un bait, c'est un bait. Il va attaquer ça, en fait. Ouais, voilà, il attaque ça. All planet. Mais non, pas fouillante. All planet. Regardez. Lui, il est en train de revenir avec sa force à 3000. You speak English as well. Yeah, I can speak English, but I'm a little too tired to have an English stream. So, fuck, he's attacked me. So, no, I'm not doing an English stream tonight. So, je vais continuer en français. Voilà. Ah non, il m'attaque, merde, merde. Bait, bait-le, accélère, accélère. Où est la force à 3000? Elle est là, la force à 3000 est là, la force à 3000 est arrivée. Elle est où? Elle est où la force à 3000? Là, va là. Fais le grand tour. Putain, il prend la corde. Il prend la corde. Ouais, ouais, c'est bien. Non, mais putain, je t'ai... Mais connard, je t'ai pas dit de lancer la... On va se faire def. Alors, il a intérêt à ce que la flotte à 3000 arrive rapidement parce qu'on ne peut pas battre en retraite. Si, un jour avant de battre en retraite. Battez en retraite, les gars. Cassez-vous. Par contre, on a battu en retraite où? Oh ouais! Oh, le bait de l'infini! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est le bait de l'infini! On va se retrouver ici, c'est ça? Oh oui! Oh là là! Ouais, par contre, on est à 50% de vie. Ouais, en fait, c'est le bait de l'infini, mais pas tellement. En fait, il va falloir voir ici comment l'affrontement va se faire. Non mais viens m'aider le pote. Il se barre aussi, putain, sérieusement, c'est quoi c'est... Bon bah allez vous faire réparer. Non mais la force à 3000 est où? Me dis pas qu'ils viennent chez moi. So, je sais pas du coup, voilà. Ouais, exactement, psychote. Best strat ever, all planet. Ah ouais, ouais. All planet, il attaque le vaisseau scientifique, du coup il va pas être content, du coup il va revenir pour défoncer. Ah non, il revient pas. Ok, cool, on a établi notre colonie. Donc ça c'est bien. Du coup on va créer un nouveau secteur. Qui propose uniquement la pouf. Voilà. Nouveau secteur, créé. Terminé. Du coup, pour gérer les secteurs, c'est où pour gérer les secteurs? C'est ici, gérer les secteurs. Alors, le secteur... Alors, la grande question, le secteur Ugrim, c'est lequel? Alors, le Lugirpach, c'est celui-là, d'accord. Et ça, c'est le Ugrim. Ok, ok. Focalisation industrielle, non, focalisation recherche. Toi, on va se focaliser sur la recherche. Et le vaisseau de construction, tu vas tout de suite venir ici. On va d'abord te déplacer là. Et le vaisseau de construction, on va te déplacer ici. Mais il n'y a rien du tout ici pour construire. Du coup, c'est trop la merde. Flotte agressive. Ouais, ouais, c'est normal. Ça, c'est juste parce que moi, j'ai ma flotte ici qui se prépare à faire un saut. Normalement, elle va faire un saut. Fais un saut! Fais le saut. Evading hostile fleet. Alors, la flotte à 3K. Research complete. Alors. Alors, le scientifique Ben est passé au niveau 2. C'est bien. Nous avons terminé les sentinelles de défense. C'est bien aussi.
Du coup, on va lancer les lasers UV. Une version améliorée plus puissante de leur prédécesseur bleu. Précise et destructive, ces armes sont capables d'infliger d'immenses dégâts. C'est parti pour les lasers UV. Allons-y. Par contre, la flotte à 3K, là, où est-ce qu'elle est? La flotte du pote, là. Elle est là. Donc la flotte du pote, elle est là. Elle vient de se TP. Evading hostile fleet. Ouais. Evading hostile fleet. Cassons-nous. Alors, et dès que All Planet, hein, on tourne en rond pour le moment pour réussir à s'esquiver, c'est parfait. Mais dès que lui commence à attaquer la flotte à 3K, on se retourne et on tape sur la flotte à 3K. D'abord, on va se réparer. On y va comme ça. On va attendre un petit peu que ça soit engagé. Et hop, on se retourne et on y va. Alors, on va voir ce que cette strat va... Ça y est, on a engagé, nous aussi on a engagé l'ennemi. Alors, il y a peu de chances qu'on l'emporte. Mais, ça y est, on a engagé la bataille. Alors, on est à peu près 5000. Alors, on a une force de 5000 contre une force de 3000. Go! Ouais, exactement. Exactement, Rakti. Go, comme tu dis. Alors, on se fait def ou on se fait pas def? Alors voyons voir, 2200, on est à 47 vaisseaux, je peux pas voir mon rapport de bataille, je peux pas voir mon... Voilà, je peux voir mon rapport de bataille. Alors on a déjà perdu un vaisseau. Il est à 22-24, c'est moins, 22-23, c'est moins, 22-22, il se fait défoncer. Nous aussi on est à 2046 là. Il est à 18-30 le gars, 19-27, 21-16. Oh, on se fait def! On n'a plus qu'à 1800! Alors, si on met un combat plus lent, voilà ce que ça donne. Et on peut cacher toutes les informations? Non. Et voilà ce que ça donne, un combat. Ah, j'ai mis en pause. Mais non, pas en pause. C'est le bordel. Voilà, on sait pas trop qui tire sur quoi. C'est juste qu'il est à 17-27. Le pote est à 17-27, on est à 7-16. Et lui est à 19-7. Mais les générales. On est encore à 32 vaisseaux. Je pense qu'une fois qu'on sera à 15 vaisseaux, on se barrera. Alors, de leur côté, les vaisseaux de construction peuvent-ils construire? Genre le mec. Mais putain! Impossible de construire. Pourquoi tu peux pas construire? Parce que t'es pile pas à la limite. Ah, c'est trop con, mec. Par contre, toi, construis la station minière ici. Ouais. Ah, putain de merde. Alors ici... Oh! Bonjour. Ah, il y a un truc là, en fait. Il y a Pagol qui est juste ici. Ok, du coup... Bah, du coup, nous, on est un peu bloqués là. Ouais. On peut un peu rien faire d'autre que rester là. Bon, c'est cool, on peut pas aller là. Bon, on va s'améliorer, hein, du coup. Toi, va t'améliorer. Le vaisseau scientifique va te réparer. On n'a rien d'autre à faire. Le vaisseau de construction, lui, il n'y a rien à faire. Et ce vaisseau de construction-là va t'améliorer. Allez, petite amélioration pour tout le monde. Et on replonge au cœur de la bataille. Donc la flotte adverse n'est plus qu'à 1K. Et on n'est plus qu'à 3K. On est en train de gagner. Ça se joue à pas grand chose, mais on gagne. Alors quand on voit ici, ça y est, on est en train. Ça y est, on le défonce. On est en train de win. Plus ou moins. On est toujours à 32 vaisseaux. Alors je pense qu'on est toujours à 32 vaisseaux parce qu'il a focalisé ses tirs sur l'adversaire, pas sur nous. Mais ça, c'est le meilleur bait ever, c'est réussir à esquiver dans tous les sens pour pouvoir faire en sorte que... Situation log updated. Il s'est barré en trou de verre. Ouais,
le poursuis pas. Va te réparer. Le vaisseau scientifique, tu viens faire un projet de recherche ici. On s'en fout que tu sois à l'autre bout de la planète. Ah ouais, t'es vraiment à l'autre bout de la galaxie, toi. Alors, bonjour, j'aimerais faire un projet de recherche. Ah, j'ai tout ça à faire. Voilà, bonjour. Ben d'accord. Cordialement. Alors, pendant ce temps-là, la flotte à 3K, elle est où, la flotte à 3K? Ah, j'ai perdu, la flotte à 3K. Elle est là? Enfin, flotte à 3K. Plutôt la flotte à 1600, quoi, mais... Maintenant, c'est la flotte à 1600. Alors, elle s'est barrée. Ok, non, donc nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire. On a l'amélioration de corvettes sur là, donc c'est à Ragani. C'est ça, Ragani, c'est les corvettes aussi, tiens. C'est où alors qu'on a une amélioration pour les destroyers? C'est pas ici? Vas-y, construis-moi un statioport, toi, sur Gablor. Tiens, je pensais qu'on avait une amélioration pour construire les destroyers. Ah non. Bon, bah faisons une amélioration pour construire des destroyers plus rapidement. Pendant ce temps-là, ici, on va se faire quelques corvettes. Pardon. On a 32 sur 56, c'est pas trop mal. Hein. Ah. Les circonstances indépendantes de notre volonté nous contraignent à vous proposer de ce généreux accord commercial. Une telle opportunité ne se représentera pas. Alors, le Xaveda Sovereign System échange la carte des étoiles et on demande la carte des étoiles aussi. Alors, c'est qui les Sovereign System, là? Parce que moi, je veux bien faire une échange d'étoiles, mais... Les Sovereign System. Sovereign System. C'est eux. Ah, on s'en fout. Refusé. Attendez, ils sont quoi, eux? Juste pour voir de quel... Ok, c'est... ils nous aiment bien, il y a une force équivalente. Ils sont pas en guerre. Ok, ouais, bah écoutez, ouais, bah ils sont pas en guerre, ils sont sympas, ils sont pacifiques. Bah allons-y. Accepté, voilà. Acceptons. Oh oui. C'était plutôt pas mal. On a... Ah oui, on a pu découvrir quand même pas mal de choses dans tous les sens. Intéressant. Même si... Et on peut voir que ici, en fait, il n'y a aucun empire. Là. C'est bête. Nous, on est coincés complètement dans les empires. Et eux, ils sont là. Ah, c'est bon, tranquille. Nous, on a tout le bras ici pour se développer. Alors que nous, on est en mode... Oh là là, on peut se développer nulle part ici. C'est trop la merde. Bon, ben voilà, quoi. Projet minuté. Oui, bah écoute, projet minuté, je fais ce que je peux, hein. Artefact iracien, récupérer 1 sur 6. Oui, bah... Ouais, bah ça c'est fait. En plus, c'est le monde natal des Jograss, et nous on fait, bah on la colonise, c'est bon. Voilà. Alors la surface, ah oui c'est vrai que la surface, on... Tiens. Il me semblait qu'on ne pouvait pas... Non, c'est ça. On ne peut pas décider de ce qu'il se passera ici. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors ici, c'est toujours pas dans la zone best-of. Hein. Du coup, on ne peut toujours pas... pas l'améliorer, mais... spatioport ici. Encore 337 jours avant de pouvoir construire... Hein, enfin, avoir une amélioration d'assemblage de destroyers. Ici, on peut rien construire. Hein. De toute manière, on n'a pas de thunes. Ah oui, on n'a pas de thunes, c'est vrai. On a 0 sur... on a 0. Waouh. Ah oui, quand même. Ah oui, on est à zéro parce qu'on a plus d'argent pour se réparer, en fait. D'accord. Bon. Alors. Bon, c'était une bataille worse, quand même. On peut dire ça. C'était une bataille worse. Il était à 3000. On l'a abattu à 5000. Il était à moins de 1000. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Faut voir ça du bon oeil, c'est, ça se passe, ça s'est bien passé comme bataille. Alors juste ici, toi, t'es en guerre ou pas? Non, t'es juste rival avec nous, mais t'es pas en guerre, donc t'en as rien à foutre, ok. Ah, tu les as annexés? Ah non, c'est eux.
Ils sont ils ont une ambassade au Tekadran Administration, donc c'est le gros truc là. Ouais, d'accord, donc ça se passe bien, hein. Là c'est tranquille. C'est relativement tranquille comme truc. Donc je pense que c'est le bon moment pour partir en petite pause. Ouais, allez, on va partir, quoique... Ouais, si on va partir en pause, comme ça, on verra après ce que l'on fera après, donc après la pause, comment on va gérer notre empire et la guerre qui est aux portes. Faudra juste que je règle pour ne plus qu'il y ait à ça à chaque fois, parce que bon, évidemment, je suis à chaque fois connecté sur le channel Mojifo, donc c'est pas la peine d'avoir à chaque fois la connexion au channel. Allez, on se retrouve dans 4 petites minutes pour voir qu'est-ce qu'on fait après la réparation de la flotte, l'amélioration, etc. T'as fait une pause il y a pas longtemps. J'ai fait une pause il y a déjà il y a 20 bonnes minutes. Donc c'est bien. Mais la VOD précédente est assez longue. Elle fait 37. Pause. Il y a trop de trucs. On se retrouve dans 4 minutes. À toutes, ne bougez pas.